C'était une vérification d'identité. Ben, ma question c'est si j'ai vous pas. Vous êtes en vérification d'identité. Ok. Voilà. Est-ce donc que je suis libre de partir si c'est pas une arrestation? Non, c'est interdit. Ben, pourquoi alors si je suis en état d'arrestation? Si vous partez, c'est un refus justifié de votre identité. Pas du tout. Et c'est un délit. Ben, bien sûr que si. Ben, si je suis pas en état d'arrestation, si j'ai pas commis de délit, c'est pas de crime. De pouvoir justifier votre identité. Et la police a le droit de garder quelqu'un 4 heures chez elle, dans ses locaux. C'est du kidnapping ça? C'est du kidnapping. Vous déposerez plainte contre la police nationale. Non, j'ai pas besoin de déposer plainte. Descendre du véhicule, s'il vous plaît. Là, je suis en train d'enregistrer. Bah, donc, est-ce que je peux vous demander juste une chose, votre numéro de matricule, dans ce cas-là? Bien sûr, 123 899, et si vous voulez, vous prenez ça ici. 123 899, regardez. Merci. 102 35 56. Bravo. Merci. Voilà. Donc maintenant, vous allez sortir du véhicule, et puis on va aller au commissariat ensemble, s'il vous plaît. Déjà, il faut que je me gare correctement, déjà. Non, c'est nous qui allons le faire, monsieur. Ok, laisse tomber. Reste ici, on va ramener monsieur. S'il vous plaît, vous descendez du véhicule. Ben en fait, vous ne pouvez pas m'obliger à descendre si, du véhicule. Bien sûr que si. Ben sous quelle base? Sur quelle base? Vérification d'identité, monsieur. Mais c'est pas un délit, ça? Mais bien sûr que c'est un délit. Je vous ai donné mes coordonnées. Non, c'est faux. Vous devez pouvoir justifier de votre identité. Monsieur, soit ça se passe bien, soit ça se passe vraiment mal. J'appelle quelqu'un sur place, on vous sort du véhicule, monsieur. Mais donc vous êtes en train sûrement de me donner une fausse identité. Pas du tout. D'accord. Bon, et ben dans ces cas-là, on va au commissariat. Donc là, vous êtes en train de me suspecter ensuite que je vous ai donné une fausse identité. Monsieur. Bah regardez, c'est ce que vous me dites. Vous voulez pas? Est-ce que j'ai dit que je refusais? Je refuse pas. C'est vous qui me dites. Alors dans ces cas-là, vous sortez. Vous commencez à m'énerver. Vous sortez ou pas? Mais j'ai pas besoin de sortir du véhicule. Vous sortez du véhicule, s'il vous plaît. Je suis dans ma propriété privée. Ouais, TN de TV110 N Alpha. C'est une propriété privée. Je suis dans ma propriété privée. Ouais, dans le même temps, nous, on est en contrôle sur un... C'est n'importe quoi. Là, qui refuse de justifier son... Je refuse rien. Il refuse de... Je refuse pas. De sortir de son véhicule pour venir avec nous en vérification d'identité. Je refuse pas. Je vais demander à l'OPJ si j'ai possibilité de sortir le monsieur du véhicule de force. Il n'y a pas possibilité. Je refuse rien du tout. Tout est enregistré, j'ai pas refusé. Bah c'est bien, monsieur, enregistré. Mais j'ai pas refusé. Dans la loi complètement. D'accord, mais je refuse rien. À vous, monsieur. Moi, je refuse rien. Bah dans ces cas-là, vous sortez du véhicule et on va au commissariat. Mais j'ai pas besoin de sortir du véhicule si, pour prouver mon identité. Du véhicule, on va au commissariat, monsieur. Je peux très bien vous accompagner au commissariat dans ma voiture. Non, hors de question. Pourquoi? Bah moi, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'il vous a dit l'OPJ? J'attends ça. Réponse. Vous pouvez pas me sortir de force du véhicule. Je vais le faire. S'il m'autorise à le faire, je le fais. Vous devez avoir une base. Non, mais la base, c'est vérification d'identité, monsieur. J'ai tout ce qu'il faut, hein. Vous verrez dans les 48 heures. Vous avez strictement rien, monsieur. Dans les 48 heures, je peux vous amener tout. Strictement rien. Bah ça c'est vous qui le dites alors. Vous êtes loin. Vous avez dit quoi là? Vous ouvrez monsieur. L'OPJ il a dit quoi? Vous ouvrez. J'ai le droit de. Mais non, vous pouvez pas faire ça. Mais pourquoi vous voulez casser la vitre? Vous sortez monsieur. Vous sortez, du monsieur. Mais sur quelle base? Vous sortez du véhicule monsieur, j'ai autorisation de l'officier de police judiciaire, on y va. Bah est-ce que l'OPJ peut venir ici? Non, il viendra pas ici, il est au commissariat. Bah l'OPJ, l'autorisation de l'OPJ doit venir sur place. Il doit venir l'OPJ. Pardon? Mon collègue est en train de filmer, vous sortez du bah, véhicule maintenant. Moi aussi je suis en train de filmer là. Et bah, vous sortez. Non regardez, là je suis en train de filmer, vous il n'y a pas de problème. Avec nous. Venez avec nous. Mais vous pouvez pas me le faire par la force. Si, tout à fait. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous sortez du véhicule monsieur. Mais sur quelle base? Vous compliquez. Vérification d'identité, monsieur, vous venez. Vous avez aucune pièce d'identité sur vous. Et alors, j'ai le droit? Monsieur, vous ouvrez. Vous ouvrez votre véhicule. J'ai rien fait. Eh ben, on cassera la vitre. C'est ma propriété privée. Non, c'est pas votre propriété privée, là. Vous n'avez pas droit de casser la vitre. C'est une arme. Pardon? C'est une arme. C'est une arme par destination, donc vous sortez du véhicule. J'ai une arme. C'est une arme par destination, oui. J'ai pas d'arme. Vous faites exprès ou pas, monsieur? Mais c'est pas une arme, c'est ma voiture. Vous êtes avec nous et tout se passe bien. Bah, je veux bien que ça se passe bien. Mais moi, vous ne voulez pas. Vous voulez parler de violence et partir par la force. Vous voulez me faire par la force et par la violence. Je sais pas comment vous l'expliquer. J'ai pas, moi je vous ai rien fait. J'ai rien contre vous. Je veux juste respecter la loi et c'est tout. J'ai demandé à le fait d'avoir un OPJ. J'ai commis aucun délit, aucun crime.
l'individu vient de s'enfermer dans le véhicule. Est-ce qu'on peut avoir, je sais que c'est pas le moment, mais est-ce que c'est possible de, peut-être d'avoir un officier sur place ou alors un petit agent de soutien, parce que, à part casser la vitre, là, je ne peux rien faire d'autre. Ouais, c'est bon, ils viennent d'arriver, merci. Voilà. La bague vient d'arriver. Allez, monsieur, sortez du véhicule, s'il vous plaît. Ouais, Kevin de la TV 119 Under, bravo, on a supposé interpeller, on va faire mouvement là-bas. Il est en train de filmer, lui aussi. Il refuse de venir. J'ai pas refusé. J'ai refusé rien du tout déjà. Bah, dans ces cas-là, vous sortez. J'ai pas refusé. Bah, vous venez. Mais me dites pas que j'ai refusé, s'il vous plaît. Vous avez refusé, regardez, vous êtes dans votre véhicule. Mais j'ai pas refusé, je vous ai donné mon identité. Non. Vous me croyez pas. J'ai mes papiers. Vous n'avez pas vos papiers, monsieur. Ben, je les ai pas, c'est le problème, justement. Déjà, je vois rien avec la lampe, donc. Monsieur, est-ce que vous avez des papiers sur vous ou pas? Ben, j'ai pas les papiers. D'accord, donc on vous emmène en vérification au commissariat, et à partir du moment où on vous emmène en vérification au commissariat, vous êtes obligé de descendre du véhicule. Ben, moi, je leur ai dit que je voulais les suivre. Non, ça ne va pas comme ça. J'ai demandé. On sait pas, monsieur, si vous allez partir avec le véhicule. Ben, non, moi, j'ai demandé un OPJ. Ah bah, avant de le faire. Vous avez demandé un OPJ? Oui. Vous avez pas de papier, on va vous emmener au commissariat quand même. Ben, j'ai demandé à un OPJ pour en fait ce qui se passe aujourd'hui. De ce qu'on demande. Il m'a menacé de casser la vitre. Vous voulez pas descendre, monsieur? Mais non, mais ça, vous pouvez pas faire ça, j'ai rien fait. Bah, et vous, est-ce que vous pouvez rester dans le véhicule quand on vous demande de descendre? De sortir, monsieur. Mais vous êtes en train de nous dire ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Non, vous, moi. Et vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais pas ce que je veux, je suis dans ma propriété privée. Non, monsieur, là, c'est un contrôle routier. Et vous menacez de violer. Monsieur, c'est un contrôle routier. Faut arrêter de regarder les vidéos. C'est un contrôle routier, ouais, faut arrêter de regarder les vidéos à la con. Je regarde pas de vidéos Snapchat. Vous n'avez pas de papier, vous allez venir avec nous en vérification au commissariat et vous allez venir dans un de nos véhicules. Votre véhicule va rester ici. Mais vous pouvez pas me forcer à faire ça. Pourquoi, monsieur? Mais j'ai rien fait. C'est pas la règle, monsieur. Mais j'ai rien fait. On peut pas prouver votre permis de conduire, on peut pas prouver votre identité, donc on vous ramène au commissariat, c'est comme ça. Mais est-ce que j'ai commis un délit ou un crime, monsieur? Monsieur, c'est un contrôle routier. 233-1, 233-3 du code de la route, c'est un contrôle routier. On a le droit de faire des contrôles routiers sur n'importe quel véhicule, pour n'importe quelle circonstance. D'accord? Mais est-ce que je suis en état d'arrestation? Vous n'avez pas de papier sur vous. Est-ce que on vous emmène au commissariat en vérification. Et pour vous emmener au commissariat en vérification, c'est dans l'un de nos véhicules. Et c'est comme ça. Et vous pouvez filmer tout ce que vous voulez. C'est comme ça, c'est la règle, monsieur. Pour être en détention, il faut avoir commis quelque chose. C'est pas en détention, monsieur. Bah, vous m'avez dit 4 heures. Non, non. Je veux dire vérification. Comprenez pas. Détention, vérification, interpellation. Vérification, on vous emmène, vous ne serez pas menotté, on vérifie votre identité ou que quelqu'un amène une pièce d'identité, le temps de vérifier votre identité. Bah peut-être que vous êtes un gangster, on ne le sait pas. Bah vous comprenez que je fais attention parce qu'il voulait casser la vitre avec son... Bah, ça votre véhicule, vous le fermez, il reste là. Bah c'est ce que je lui ai dit, il n'a pas voulu. J'ai dit moi je veux garer ma voiture. Non, là vous laissez la voiture, le contact est coupé, vous sortez du véhicule. Si on doit le bouger... Mais avec nous si vous voulez, c'est nous qui vous emmenons si vous voulez. Ben, vous allez me kidnapper, vous allez me menotter, non, il m'a dit... Monsieur, on vous menote pas, monsieur Gasquet, écoutez, votre téléphone, c'est... Vous entendez le téléphone? On ne vous menote pas. Voilà, c'est clair, c'est sur le téléphone. Maintenant, vous descendez du véhicule. Je vous l'ai dit, c'est une vérification. Vérification, vous me menote pas. Parce qu'il m'a dit, je resterai 4 heures en commissariat. Mais putain, mais vous avez répété combien de fois, il vous l'a dit? J'ai compris ce qu'il vous a dit. Maintenant, je vous dis 3 fois que ça ne va pas être le cas. On vous interpelle pas, on vous menote pas. On vous emmène en vérification. C'est clair ou quoi? D'accord. Alors maintenant, vous descendez. Mais il a fait la vérification, vous pouvez la faire maintenant non, ici. C'est au commissariat la vérification, que. Mais c'est pas vous comment, qui décidez. Comment voulez-vous qu'on vérifie dans votre voiture? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vérifie? Bah vous avez vos papiers. Vous avez pas de papier, vous avez rien. Bah je peux vous les amener dans 48 heures, y'a pas de problème. Y a pas de 48 heures. Mais c'est pas comme ça que ça marche, monsieur. Ça, on est en France, hein. On n'est pas sur les vidéos américaines ou quoi que ce soit, y'a pas des mandats ici, y'a rien de tout ça. Moi j'ai rien fait en fait. C'est ça que je comprends pas. Moi j'ai rien fait, à la base. À la base, non? Je voyage. Monsieur, vous n'êtes pas en règle. Et quand vous n'avez pas de papier, on est obligé de vérifier votre identité. Et ça se passe au commissariat. Là, si vous avez pas c'est les tout, papiers, c'est comme êtes, ça. Vous êtes en infraction. Vous êtes en infraction. Bah donnez-moi l'infraction, je veux bien. Oui, non présentation du permis de conduire, non présentation de la carte grise, non présentation de l'attestation d'assurance. Vous en voulez encore d'autres? Mais j'ai le droit d'avoir 2 jours ou 5 jours pour présenter les papiers. Ouais, où vous avez vu ça? Si, après verbalisation, il faudra les présenter. Où vous avez vu ça, vous? Oui, il m'a dit tout à l'heure. Il m'a dit tout à l'heure. Oui, quand vous serez verbalisé, qu'on aura vérifié votre identité. Vous êtes verbalisé, pour prouver qui vous êtes, monsieur. Exact. Comment ça pour prouver qui vous êtes? Bah je vais donner mes noms. Non, ça marche pas comme ça. Vous pouvez donner n'importe quelle identité. Moi je m'appelle Pierre Paul, je suis né en 90. Qui va vous dire que c'est vrai ou pas vrai? Bah je vais montrer mes noms tout à l'heure, il a vérifié. Pourquoi vous avez vérifié? Il a rien montré, monsieur.
Maintenant, mais je voulais donner mes noms. Il a... Non, mais regardez, moi je m'appelle Pierre Paul, je suis né à Saint-Denis en 1990. Il a regardé dans ses fichiers. Vous êtes ridicule, c'est n'importe quoi ce que vous êtes en train de faire. Je suis ridicule, d'accord. Vous allez vous ridiculiser, je sais pas si vous allez publier la vidéo. Faites-le parce que vous allez vous ridiculiser. Je vais publier, il n'y a pas de problème. C'est nul ce que vous faites. Donc là, vous refusez de sortir. Je refuse rien. Je demande, est-ce que je suis en état d'arrestation? Non, je vous ai pas dit que vous étiez en état d'arrestation. Ça fait 10 fois que je vous le dis, vous n'êtes pas en état d'arrestation, vous êtes en vérification. Mais si je suis pas en état d'arrestation, je suis libre de partir dans ce cas-là. Non, vous n'êtes pas libre là. Mais c'est soit je suis en état d'arrestation ou pas en fait. Vous refusez de se soumettre au contrôle, monsieur. Vous n'êtes pas en arrestation, vous êtes en vérification. Vérification, c'est au commissariat. On vous emmène, pas menotté, à bord de notre véhicule, au commissariat, on vérifie votre identité, on vérifie que vous avez bien le permis de conduire. Ça, ça se passe au commissariat, ça se passe pas dans la rue. Et une fois que tout est bon, vous repartez sans amende, sans rien. Bah, il m'a dit que tu me ferais payer une amende. J'ai dit, à partir du moment où vous êtes en règle. D'accord. Quoi? Bah non. Il m'a dit, même si j'amène les papiers dans 2 jours, j'aurai l'amende, il m'a dit. Il me fera payer. Bien sûr. Voilà, il m'a dit que je paierai. Ah, pour la même présentation, ouais. Bien sûr. C'est 11 euros et puis ensuite vous... C'est pas 11 euros, c'est 90 euros. 90 euros. Ou 45 euros, je sais pas. Je lui ai donné mes deux noms, Jimmy Bertin. Mais on peut pas vérifier, monsieur. Vous avez pas de pièce d'identité, vous avez rien. Bah, je pourrais vous l'apporter. Je pourrais vous l'apporter. On sait comment c'est vous. C'est ça que vous avez du mal à comprendre. Comment on sait que c'est vous? Comme je vous dis, moi je m'appelle Pierre Paul, mais en 1990 à Saint-Malo. Qui vous dit que c'est la vérité? Il est justifié, donc il va falloir sortir de la voiture et on va vérifier au commissariat. Donc allez, sortez de la voiture, monsieur. Mais si je suis pas en état d'arrestation et que j'ai fait aucun délit, monsieur, je suis désolé. Il n'y a pas besoin de délit, monsieur. Il n'y a pas besoin de délit pour faire un contrôle routier. C'est ça que vous comprenez pas. Vous avez besoin? Non, il n'y a pas besoin. On va casser la vitre et vous sortir de force. Monsieur, au lieu de nous filmer comme des cons là. Je vous filme pas, je me filme moi. Vous, je vous filme pas. Tapez sur l'ordinateur, sur votre téléphone, 233-1, 233-3 du code de la route. Vous verrez qu'on a le droit de faire des contrôles routiers. Mais moi, je vous filme. Je vous ai pas filmé, hein. Je me filme moi. On n'est pas la police municipale qui vous aide à attendre un délit pour faire un contrôle routier. Nous, on n'est pas obligé. On peut faire des contrôles routiers à n'importe quel moment, pour n'importe quelle circonstance. Je comprends, mais je veux pas être là pour vous embêter. Sortez de la voiture, ça ira plus. On va aller vérifier. Une fois que ce sera vérifié, si tout est bon, vous sortez, vous repartez. Ah, mais là, vous me dites ça, vous êtes une quinzaine. Et vous me dites que j'aurais pas de menottes. Non, on n'était pas là, vous n'êtes pas descendu. Vous étiez que 3 minutes. Oui, c'est vrai. Mais là, vous appelez du renfort, vous êtes 15, vous me dites que j'aurais pas de menottes. Je vais descendre de la voiture. Regardez, qu'est-ce qui va m'arriver? Mon collègue qui est là, il vous emmène personnellement dans son véhicule derrière. Tous les autres, vous restez devant. C'est comme ça? Vous avez peur de ça? Bah oui, j'ai peur. J'ai le droit d'avoir peur. Vous avez peur de quoi? Bah regardez, j'ai le droit d'avoir peur. Vous êtes 15. Vous là-bas. Là, les collègues. Tout le monde là-bas. Il n'y a que mon collègue qui est là qui vous emmène dans le véhicule. Je risque rien avec tout ce qui se passe. On est d'accord avec tout ce qui se passe. J'ai le droit de. C'est la police, monsieur. On n'est pas des délinquants, c'est la police. Non, mais. Bah, moi je vois des choses. On voit tous des choses. Arrêtez de regarder TikTok. Arrêtez là avec votre téléphone à faire du TikTok. Monsieur, vous n'avez pas confiance. Mais venez avec moi, je vous emmène personnellement dans la bagnole. Il n'y a pas de problème. On va pas vous faire, regardez. Il y a des gens en face là. Il y a des témoins en face. Vous croyez qu'on va vous faire quoi? Vous ridiculisez. Non, je suis pas ridicule, j'ai peur en fait. Mais j'ai peur. Mais j'ai peur que de me faire agresser. Et de par il m'a dit qu'il avait cassé la vitre. Est-ce qu'il avait cassé la vitre? Il a dit que vous avez dit que j'allais partir de force au commissariat si je le fais pas. Qui a dit ça? Ben vous avez dit si je descends pas de la voiture. Il vient de me le dire. Alors, revoyez vos films. J'ai jamais dit qu'on avait besoin de force. Non, pas vous, mais lui il m'a dit. Je vous le dis. D'accord. Alors écoutez-moi ce que je vous dis. Vous venez avec nous, vous allez monter dans la voiture de police, c'est mon collègue qui vous emmène, on va pas vous agresser. Franchement, il y a des témoins. Franchement, ce serait ridicule de vous arrêter ici. Il y a des caméras dans le secteur. Franchement, ce serait nul de vous agresser. On vous emmène au commissariat, on vérifie votre identité. Si c'est bon, le véhicule reste là, c'est bon. Vous gardez les clés du véhicule sur vous, on vous ramène au commissariat, et une fois que c'est fini, que c'est réglé, vous revenez là. Et c'est réglé, terminé. Mais il m'a dit que je resterai 4 heures, j'ai pas envie de rester 4 heures. Vérification peut durer jusqu'à 4 heures. C'est 4 heures maximum pour les vérifications. Ça peut durer jusqu'à 4 heures. Mais si dans une demi-heure, dans un quart d'heure, c'est réglé, vous partez dans un quart d'heure. Mais moi, je comprends pas pourquoi vous avez besoin absolument. Parce que c'est alors que ça, je peux vous dire mon nom, monsieur, prénom monsieur, ici. Vous faites quoi comme boulot? J'étais dans les forces spéciales de l'armée de l'air, au CPA 20. Dans les forces spéciales. Est-ce que moi qui n'ai pas du tout dans les forces spéciales de CAP 10 de l'armée d'air, je serais venu vous expliquer comment faire votre taf? Parce que pourquoi? Pourquoi non? Parce que je ne connais pas. Maintenant, vous êtes en train de nous dire à nous. Non, comment nous, on doit faire notre taf. Jamais. Alors si vous me demandez pourquoi on doit vous emmener au commissariat, c'est parce que c'est la loi, c'est la règle, c'est comme ça. Mais vous l'application êtes... se fait au commissariat. Vous êtes d'accord que j'ai des droits? Vous savez comment ça marche? Quel droit, monsieur? Bah j'étais dans les CPA, j'ai des droits, monsieur, ou pas? Quel droit? J'ai des droits. Dites-moi le droit que vous avez. J'ai le droit de voyager. Oui, bah oui, j'ai rien à contre. Voilà. Voyager avec vos papiers. Donc, maintenant, si j'ai des droits de voyager, on doit me dire pourquoi on m'arrête.
Contrôle routier, je viens de vous le dire. 233-1, 233-3. Mais c'est pas une raison de se faire arrêter. Elle n'est pas assurée, la bagnole, déjà. Donc, voilà. C'est le code de la route qui prévoit. Vous voyez, vous êtes en infraction multiple en plus. J'ai beau vous répéter, mais je crois que vous êtes obstiné, monsieur. Je crois que vous avez décidé d'être obstiné. 233-1, 233-3 du code de la route prévoit qu'on a le droit de contrôler n'importe quel véhicule, même s'il n'y a pas d'infraction. On n'est pas la police municipale que vous allez attendre une infraction pour contrôler. On a le droit de vous contrôler quand on veut. Ici, c'est un contrôle de la route organisé par la police. Et donc, on a le droit de contrôler qui on veut quand on veut. Bah, moi, s'il n'y a pas de raison de la restriction. Il est là, monsieur. Le véhicule, déjà, il n'est pas assuré, il ne part plus le véhicule. Déjà, le véhicule ne part plus, il n'est pas assuré. D'accord. On va demander les enlèvements déjà. Et si les enlèvements n'est pas là, il va rester immobilisé ici, le véhicule. Déjà, vous êtes en infraction, le véhicule ne va pas partir. Ça, c'est vous qui le dites. Il va aller pour aller. Bah, c'est nous. Vous allez faire quoi? Vous allez partir de force? Non, je vais rien faire. Moi, je suis juste. Vous allez partir en foyer avec la voiture. Pardon? Vous allez partir en foyer avec la voiture. Non, mais moi, j'ai fait aucun délit. Mais monsieur, j'ai rien fait là. Pour contrôle de la route, je suis en train de vous le dire depuis une demi-heure là. Il n'y a pas besoin de délit pour faire un contrôle routier pour contrôler un véhicule. Vous avez fait des missions extérieures avec l'armée? Bien sûr. Vous avez contrôlé des gens? CPA, ouais. Vous avez contrôlé des gens? S'ils n'ont pas de papier, vous faites quoi? Bon, on était en temps de guerre. Est-ce qu'on est en temps de guerre ici? Quoi? S'ils n'ont pas de papier, vous faites quoi? Je suis sur un théâtre d'opération en temps de guerre. Une question, vous faites quoi quand ils n'ont pas de papier? Bah, en théâtre d'opération, c'est pas la même chose. Donc ici, on est en France. Bah, on est chez nous. Est-ce qu'on est en théâtre de guerre ici? Je sais pas si vous êtes français, vous me dites que vous avez un permis anglais. Bah, je parle français là, je parle français. Oui, alors, c'est parce qu'on parle français qu'on est français. Il y a beaucoup de gens ici qui parlent français qui sont pas français. Sur un théâtre d'opération de guerre, c'est pas la même chose un contrôle routier. Ici, est-ce qu'on est en zone de guerre? Faut vous renseigner dans ces cas-là. Est-ce qu'on est en zone libre ou pas? Faut vous renseigner. Bah, est-ce qu'on est en zone de guerre? Contrôle, il faut respecter le contrôle. Vous êtes ancien militaire, vous devez savoir. Je respecte le contrôle. J'ai donné mon nom, il n'a pas accepté, votre collègue. J'ai demandé d'avoir un OPJ. Oui, bah un OPJ, on a un. Vous croyez quoi, monsieur? Vous croyez quoi? Que vous demandez des choses et que nous, on va obéir? Non, vous demandez une seule chose. C'est vous qui m'avez demandé. Nous, vous demandez une seule chose, c'est de descendre. Et vous le faites pas. Vous demandez un OPJ, on est obligé de vous écouter? Non. Mais vous croyez quoi? Qu'on est à votre disposition? Non, c'est vous qui m'avez arrêté. Oui. Moi, j'ai rien fait. Et alors, vous voulez pas descendre? Mais non, c'est vous qui m'avez demandé. Alors, vas-y, dites-moi ce que vous proposez là, maintenant, actuellement. L'OPJ ne viendra pas. Qu'est-ce que vous proposez? Tout le monde s'en va, on vous laisse et on vous laisse partir, c'est ça? Bah, je suis libre si j'ai pas fait de délit ou de crime. Si vous avez pas fait quoi, excusez-moi? Si je suis pas en état d'arrestation, je suis libre de partir. Non, vous êtes pas en état d'arrestation et vous êtes pas libre de partir, votre véhicule n'est pas assuré, il part plus. Ça, c'est vous qui le dites, faut le prouver ça. Pardon? Vous devez le prouver ça aussi. Que votre véhicule n'est pas assuré? Ouais. Eh ben, la vignette, présentez-moi les papiers d'assurance. Vous devez prouver que j'ai pas le droit de rouler. Vous êtes toujours dans l'armée ou pas? Bah non, je suis plus dans l'armée. Je comprends mieux maintenant. Ouais. J'ai fait 8 ans, ça me suffit. Hein. Vous avez prouvé déjà là-bas? Là-bas? C'est quoi? Alors, défaut de CT déjà. Défaut de contrôle technique? Voilà. L'assurance. Ah. Regardez la PAC, ça correspond. Non, mais ça, c'est. C'est prouvé. Là, c'est prouvé. Non, CT, pas du tout. C'est pas prouvé, ça. C'est pas une preuve. C'est prouvé. Ça, c'est pas une preuve. C'est inscrit en préfecture. Mais non. Mais si. Non, parce que le véhicule n'est pas obligé d'être assuré en France. Ça commence à me tirer là. Il n'est pas assuré, de toute façon, il ne part pas du tout. Ah ouais, c'est clair. Mais de toute façon, monsieur, c'est simple. Vous allez sortir de la voiture. Parce que la voiture, elle ne repart pas. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est vous qui le dites. Ah oui, mais je le dis, mais ça va, vous allez voir. Pas de problème, mais la voiture, c'est ma propriété privée. Comment? La voiture, c'est ma propriété privée. Non, c'est pas vous le propriétaire, vous n'êtes pas né en 1937. Vous voulez des preuves? Moi, je vous en fournis des preuves. Regardez votre assurance. C'est pas ça, c'est pas mon assurance déjà. C'est vous qui êtes dans la voiture, c'est vous qui vous occupez du véhicule. Regardez, lisez. Moi, je vous donne des preuves. Moi, je vous montre des preuves. C'est pas une preuve, je suis désolé. Des papiers, quoi que ce soit, quelque chose où il y a votre nom. Mais là, j'ai pas de papier là. Faut que je regarde, mais je suis désolé. Je vous ai dit mon nom, il a regardé dans ses fichiers, votre collègue. Donc sortez de la voiture maintenant. On va pas rester là 3 heures pour du vent. Okay. Ça, c'est un autre problème. Ouais, ouais. C'est bon, impeccable. Je vous remercie. Au revoir. Ok, bah monsieur, on va vous laisser là. Alors écoutez bien, vous allez être reconvoqué. Il y a des photos de vous. Il y a les caméras qui vous filment. Vous risquez 3 mois de prison ferme. Donc pour ça, visiblement, c'est pas votre identité. On a vérifié que vous avez donné une fausse identité. Vous avez le droit de le dire, hein, mais vous allez voir. D'accord, bon. Ok. Et puis, vous allez vous prendre tout. Voilà. TM de 119 Bravo.
là, l'OPJ, il veut pas que ça aille plus loin directement. Donc là, ils m'ont laissé partir parce qu'ils n'avaient pas le choix, tout simplement. Donc je leur ai souhaité une très bonne soirée. Et voilà comment ça s'est terminé. Donc là, je rentre à la maison. Et puis, voilà, l'officier de police judiciaire a refusé qu'il casse la vitre parce que j'ai filmé. Donc, très, très important, filmer. Ok. Donc ils étaient sûrs d'eux, ils étaient sûrs de m'emmener au commissariat, ils étaient sûrs de casser ma vitre, ils étaient sûrs de me mettre 4 heures en garde à vue, etc. J'ai demandé si j'étais en état d'arrestation, si j'étais libre de partir, vous l'avez vu vous-même dans la vidéo. Donc voilà, je vais continuer à faire plein de vidéos comme ça, que je posterai sur ma chaîne. Comme ça vous verrez par les faits, ok ? Connaissez sur ma chaîne ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de parler de concret ou rien. Et que ça soit dans le trading, dans le fait d'être libre financièrement, mais dans le fait d'être libre en termes de statut, ok, c'est le même état d'esprit. Garder la posture, c'est ce qui va vous permettre de tout simplement prendre victoire sur tout ce qui va se passer dans votre vie, ok. Donc encore une fois, j'ai pas montré de permis, j'ai pas montré d'assurance, j'ai pas de contrôle technique, j'ai pas de carte grise, j'ai rien montré, je ne suis pas obligé. J'ai tout filmé, donc ils voulaient me faire croire que j'étais obligé à faire toutes ces choses. Je leur ai demandé les mêmes questions, sur quelle base ? Est-ce que je suis en état d'arrestation ? Est-ce que je suis libre de partir? Et vous devez rester, garder la posture. Il m'a menacé. Il m'a menacé de casser la vitre de mon véhicule. J'ai dit, écoutez, c'est ma propriété privée, vous êtes en violation de propriété. L'officier de police judiciaire, c'est la première base. Si un policier ou un gendarme veut mener une action, il doit en référer à son supérieur hiérarchique. Donc si vous ne vous entendez pas ou si vous ne voulez pas parler, vous n'avez pas l'obligation de parler, vous avez le droit de garder le silence, eh bien la personne doit référer, il doit en référer son officier de police judiciaire. Donc ça c'est vraiment la clé. Et lui, l'officier de police judiciaire, selon la situation, il va être apte, en connaissant la loi, à agir en conséquence. Si j'étais descendu de mon véhicule, forcément, l'issue n'aurait pas été la même. Ok ? Moi, j'étais en droit d'expliquer que j'avais peur d'être kidnappé. J'avais peur qu'ils usent la force, okay, pour m'amener dans leur commissariat. Donc, j'étais en droit de mentionner cette crainte au vu de ce qui se passe en général. Ils m'ont parlé de l'armée d'où j'étais dans les commandos. Comment ça se passe quand je faisais des contrôles? Je leur ai expliqué très simplement. Okay. En zone de guerre, sur les théâtres d'opération d'intervention de l'armée de l'air. Donc j'ai demandé, est-ce qu'on est en zone de guerre? Ou est-ce qu'on est libre de circuler? Est-ce qu'on est libre de voyager? Ou est-ce qu'on est dans une zone de guerre? La réalité, c'est que nous ne sommes pas dans une zone de guerre. En théorie. Mais de la façon dont ils se comportent, c'est tout comme. Okay. Mais la plupart des personnes ne connaissent pas leurs droits. Et donc se laisse se soumettre, okay, par manque de connaissances, encore une fois, manque d'éducation à leurs privilèges, à leurs droits naturels, imprescriptibles. Ils ont prêté serment. Ils ne peuvent pas faire les cow-boys. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. J'ai du respect pour ces gens-là. Et malheureusement, ils manquent
cruellement d'éducation. À la prochaine vidéo, je n'hésiterai pas à vous partager toujours plus d'aventures. Donc que ça soit en métropole, que ça soit en Guyane, que ça soit aux États-Unis, je l'ai fait en Espagne, je le fais au Maroc, dans n'importe quel pays, les droits inaliénables des vivants, des hommes, sont les mêmes. Ils ne pouvaient pas m'obliger de descendre de mon véhicule. Ils ne pouvaient pas utiliser la force pour me faire descendre du véhicule. Pourquoi ? La première raison, c'est parce que j'ai filmé. La deuxième raison, c'est parce que je lui ai posé la question si j'étais en état d'arrestation. Alors, est-ce que ça justifie un acte de violence, le fait de ne pas avoir les papiers sur soi ? La réponse, bien évidemment, de l'officier de police judiciaire, l'OPJ, a été bien sûr que non. La violence n'est pas du tout proportionnée et n'est pas légitime quant à ce genre de situation. Donc, je suis très heureux et en gratitude de vous avoir partagé en live. Et croyez-moi que ce n'est pas évident, parce que oui, le cœur palpite, vous êtes énervé, vous pouvez avoir peur. Ils sont plusieurs policiers, l'avaient la BAC qui était présent. Ils étaient au moins une quinzaine. Okay. Donc, est-ce que c'est facile de garder le contrôle de soi? Bien évidemment que non, vous l'avez vu dans la vidéo. Donc, vous devez respirer et vous devez être assis avec une posture. Okay. Et c'est partout comme ça dans votre vie. Et je vous encourage à le faire pour vous-même, pour vos enfants, pour vos familles.